Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Yeah.
encore. Thank you.
Papa, nous nous humilions devant toi, les créateurs de toutes choses, notre guérisseur, notre délivreur, notre force au milieu de la détresse, notre joie au milieu de la tribulation, notre vie. Tu es tout pour nous. Aux agnons, pour nous. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, ce matin. Cet dimanche, tu l'obéis aux Zambé, au Kotika la Zambé. Au milieu de toutes choses, tu es Dieu. Ozana contrôle ya makambo yonso. Tu as le contrôle de toutes choses. Tout ce qui se passe obéit à ta parole. Nous nous humilions devant ta grandeur. Nous voici encore ce matin. On a consacré la yoko kumi. Pour t'exalter et te louer. Est-ce que tout est acceptable devant toi? Et dis maman libération na yo. Na kombo na Jésus. Au nom de Jésus Christ. Pambola bana na yo. Bénis ton peuple. Pisika bazo la nanga na minito na mokili. Où qu'il soit dans le monde et nous suivons. Tigete lilo bana yo. Laisse que ta parole ezo esika trouve place na mutema na bango. Dans leur cœur. Lobela biso. Parle-nous. Simba biso. Touche-nous. Et tu dirais que nous allons te rendre toute la gloire. Merci papa. Merci père. Merci pour tout. Merci pour nos nions. Merci pour l'exemption. M'attendre pour nos côtés ma pembeni. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Na komo na Jésus. Nous appelons. Amen. Nous voici prier. Amen. Nazana esengo kozala ipa ozali na tongo alelo dimanche. Et na pesbino mbote na kombo na Yesu Masia. J'ai la joie de me retrouver où que vous soyez maintenant et je vous salue au nom de Jésus Christ. Et surtout na ngonga oyo tozo leka partout na mokili esengeli toyo kaba matea oyo eko edifier kondi manabiso. Et surtout dans les moments où nous traversons, nous avons besoin des paroles qui nous réconfortent. Dernièrement na zalaki en live na YouTube pona batu bazana extérieur de la pays oyo bazana Porto Europe et na tei sur ces sujets et na lakaki ke eko zala matea na ngai pendant des semaines. Même dimanche oyo nazo koba lelo nazo banda na biso oyo bozo landanga biska bozali na ndako awa na Kinshasa e libanda ya mboka partout na mokili tozo loba na sujet na oyo etali nous sommes rachetés pour être exemptés. Aujourd'hui c'est dimanche, nous sommes en train de parler de racheter pour être exemptés. Alléluia. Amen. So aujourd'hui tozo loba na oyo etali nous sommes rachetés pour être exemptés. Nous parlons de ce thème to somba mi pote to tia ma pembeni. Alléluia. Amen. Bien-aimé na ina bisa yo ke ngonga to komi na ngonga oyo tozali eza ngonga munene eza ngonga moko très important na calendrier ya Zambe pour na humanité. Bien-aimé, nous sommes dans un temps très important dans le calendrier de Dieu pour le monde. Eza ngonga oyo Zambe akosala distinction. C'est akosala exemption. C'est le temps où Dieu va manifester la distinction, l'exemption. Parmi oyo bazayaye na ba oyo bazayaye entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Ezangonga ya différence. C'est le temps de la différence. Yango na lobi thème ezanini nous sommes rachetés pour être exemptés. Talatina na lobi to somba mi pote to tia ma pembeni. Tango Yesu atangisi makila na ye na ekulusu pona yo na ngai asomba kibiso na makila na ye. Amen. Lorsque Jésus avait versé son sang à la croix, il nous avait rachetés par son sang. Apocalypse chapitre 5 soki tangi verset 9 10 alobi Il nous a racheté par son sang de toute tribu et de toute langue, de toute nation. Et il nous a fait devenir des rois et des sacrificateurs. Et nous allons régner sur terre. Dengue papa lobi Apocalypse 5 chapitre verset 12 lobi asomba kibiso na bikolo nyonso na minoko nyonso po de konza na mokili. So nous sommes rachetés pour régner.
Nous sommes rachetés pour être exemptés. Mais nalinga défini mot wana exemption. J'aimerais définir ce mot exemption. Parce que na makambo ezo le kanamokili. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, je viens te dire, il y a des gens bakozala exempté. Oh, bakotia ma pembeni. Et na sambeli. Yes. Kumbuna yo. Écoute na liste ya batu bakovivre exemption. Amen. Et je prie que ton nom soit dans la liste des exemptés. Alléluia. Amen. Le mot exemption. Kotia ma pembeni. Elobinini. Ça signifie quoi? Exclusion. Ezali kolongwa na kati molongwa batu moko boye. Na mo mususu. Exonération. Alléluia. Amen. Namon mususu on peut dire immunité. Ezali ko zo mangwele o epekisi ozo eloko mususu mabe. Épanoui. Kolongwa na na kati ya bato. Kozala affranchi. Kokangolama. Kozala dégagé na eloko. Être libéré d'une chose. C'est ça exemption. C'est ce qu'on appelle exemption. Namukuse. Exemption zolo ba eloko comme ni balinga eko comme la yote. Ça veut seulement dire ce qui attend les autres ne t'atteindra pas. Et tout moni ango na makomi. Et nous l'avons vu dans les écritures. Tanga ango lelo surtout dans le livre ya Exode. Et nous allons encore les lire aujourd'hui dans le livre d'Exode. Pour nous solidifier kondimanae. Pour nous lendisa kondimanae. Pour nous sunga kondimanae. Pour aider notre foi que ozana zambe oyo azazambe asalaka exemption. Pour que tu saches que tu as un Dieu qui fait exemption. Alléluia. Amen. D'ailleurs, na lingi oyeba ke yo mutu nyoso atia yambi Yesu. Okomi mwana zambe. Amen. Okomi race élue de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui ont reçu Jésus, sache que tu es enfant de Dieu, tu es une race élue. Et na 1 Pierre chapitre 2 verset 9 tokotalango to tanto na teya ki message oyo. Na émission nga live na batu ya poto quelques jours passés maintenant eza tourna biso na lito fungu la biblia na 1 Pierre 2 9 1 Pierre chapitre 2 verset 9 kozala il faut zala brancher parce que Matthieu oyo ezo continuer pendant 2 semaines soit branché eza na makambo ebele soit branché. Amen. Parce que ngonga oyo et Seigneur toyo kaba matea boy to sote yango amo et to sote yango lisu pona ko rappeler biso que toza apateni na race oyo baza exempté. C'est ce moment où on a besoin de ce plein enseignement pour les exempté. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, je lis la version Darby au nom de Jésus-Christ. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous êtes une race. Mais vous êtes une race élue. Une sacrificature royale. Une nation sainte. Un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Amen. Pour que vous annonciez, yes, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. So, c'est-à-dire, nous sommes sauvés. Tokangolami. Pour n'accolaki sa différence. Pour montrer la différence, yes. Et n'angonga oyo des différences ekoyebana. Et c'est maintenant qu'il y aura la différence. Parce que le Dieu d'inception a bongwanite azalo lenyo moko lobi lelo libela na libela. Le Dieu qui crée la différence n'a pas changé, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ngonga yangoyo il faut to langwa na révélation de notre exemption. C'est maintenant que nous devons être ivres de notre exception. Israël était église de l'Ancien Testament. Et c'est là qu'il y a église ya tango ya kala. Et ça exemple pour na biso. Et ça ndaki ça pour nous. Église ya kala. L'ancienne église. Na tango na bango. En leur temps, ba vivra ki ba épidémique oyo. Ils ont vécu tous ces fléaux. La peste oyo calamiteuse. Ces pestes calamiteuses. Mais na kati ya nyoso. Mais non tous ces choses. Ba zalaki exempté. Ils étaient exemptés. Exonérés. Exonérés. Alléluia. Amen.
Dieu les a épargnés de beaucoup de choses. Mais ata mon côté na libota ya bana Israël, ancienne église. Malgré tous ces fléaux, il n'y avait aucun mort dans les camps des enfants d'Israël. Et toutes ces choses. Ben nous sommes. Moni parmi tes moines de Kona, comme on répète, verset biblique on a pas matière parce que Esa. Yes. Na liga galilo ba zambe. Toutes ces choses sont écrites pour nous servir en tant qu'exemple, référence. Nous sommes comme une poêle d'alanda qui s'appuie na bisho batalelo. Ce qu'ils aiment à sali bangou exemption. Si Dieu les a mis à part. Ancienne église. Dans l'ancienne église. À cause là, il y a exemption lelo. Il te fera toi aussi exception aujourd'hui. Alléluia. Parce que singeli to langwa na elokoyo. Tomiye batuza banani. Amen. Abi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon peuple est détruit faute la connaissance. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Oui. Version Darby. Or toutes ces choses leur arrivèrent comme type. Et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. À nous que les fins des siècles ont atteint. Amen. Nous sommes pour un service en tant que type, exemple, référence. Ce qui a exonéré Bango, ce qui a exempté Bango n'a pas épidémie, n'a pas peste, calamitose, dans l'ancienne église. Lélo, il va le faire encore. Parce qu'il n'a pas encore changé. Yangwana, nako sepela. Avant nako de na exode, pour Natali c'est ok. Le Dieu qui nous sert, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Malachi a l'obiango. Le chapitre 3, verset 6. Il nous a dit clairement que Dieu ne change pas. Est-ce que tu peux lire ça pour moi? Amen. Malachi chapitre 3 verset 6 version Darby. Car moi l'Éternel je ne change pas. Car moi l'Éternel je ne change pas. Et vous fils de Jacob vous n'êtes pas consumés. Moi l'Éternel je ne change pas. Parti awana. Je ne change pas. Na bongo na kate. Ce qui a exempté qui banco. Si il les avait exemptés. Ancienne église. Dans l'ancienne église. Peste yosu calamitos. Contre toute peste et calamitos. Épidémie yosu. Contre les épidémies. Et qui n'attend na bango. En leur temps. Mutu mokote azaraki atteint. Personne n'était atteint. Parmi les enfants d'Israël. Le katia bana Israël. Lelo. Aujourd'hui. Il va le faire encore. A cause ça l'ango le sushu. Amen. Yango na eko ipsayo. Je viens de dire. O banga te. N'aie pas peur. Mille. Peut tomber à gauche. Et bien, à droite. Mais tu ne seras pas atteint. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu es différent. Tu es différent. Tu es race élue de Dieu. Pour manifester ses gloires. Et c'est maintenant le temps. Praise the name of Jesus. Alléluia. Hébreux 13, 8 encore. Alobi. Nous avons répété encore la base. La Bible. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est la Bible. C'est-à-dire, c'est la culture dimanche. Kota na kati. Kota na esprit. Ya matea oyo. Kovanda te ozo simba téléphone ozo chaté. Non, non. Kanga téléphone. Landanga concentré. Landa matea. Fungola Bible ozo tala. Parce que il faut solidifier Kondimanayo. Amen. Ngonga osa na besoin Kondimanayo yangoyo. C'est maintenant que tu as besoin de ta foi. Et loko ekoteli bisa Kondimanayo. Ce qui va élever ta foi. C'est la parole. Ezali loba. Message ozoyoka. C'est ce message que tu entends. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Hébreux chapitre 13 verset 8. Oui. Version David, je lis au nom de Jésus-Christ. Ouais. Jésus-Christ est le même. Voilà. Hier et aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même. Le même. Hier, hier et aujourd'hui, aujourd'hui et éternellement. Yes. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas encore changé. Ce qui a exempté Kibango. Si il les avait exemptés. Lobby lobby na Egypte. En Égypte, Bana Israël. Les enfants d'Israël. Lelo, aujourd'hui, Israélites spirituels. Nous sommes des Israélites spirituels. Nous serons exemptés. Amen.
Amen. Amen. Yabatu bakozala exonoré, exempté, épanoui au nom puissant de Jésus. Amen. Je viens t'introduire dans la liste des gens qui seront exonérés, épargnés. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est maintenant que tu pourras te réjouir. Côté temps mal ici qu'on a mis sur. Amen. Alléluia. Version Semeur. Voilà. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Yes. Pour toujours. Toujours. Ce qu'il a fait hier, c'est là qu'il l'obit. En l'air temps, il va le faire encore aujourd'hui. Il peut répéter ça dans l'avenir. A changé à côté. Il ne change pas. Moi, je suis le Seigneur, je ne change pas. Voilà. Maintenant, nous voulons entrer dans Exode chapitre 8. Dans Exode chapitre 8, Mama Yalikam. C'est. Pour mon le thème, selon 1 Corinthiens 10, verset 11 au Totangi. On en a 1 Corinthiens 10, verset 11 au Totangi. La parole de Dieu nous a dit, ces choses qu'on va venir, on va lire maintenant, sont écrites pour nous servir en tant que type, en tant qu'exemple, en tant que référence. Nous allons voir ici que Bana Israël, ancienne église, Bazalaki épanoui, exonoré, exempté. Dégagé dans ma communion, c'est ça, Emma. N'attends pas Nabango. Donc, au moins, ils étaient mis à côté, ils étaient épargnés de tout fléau de leur temps. C'est ça, les mots, mis à côté. Yes. Batuazo Koufa, Bangote. Banyama, Batuazo Koufa, Bangote. Yes. Ba, sauterait, ba, côté partout, mais Bangote. Amen. Balikoroto, Bangote. Yes. Maintenant que tout mourait, mais eux, ils étaient épargnés. C'est ce qu'on appelle. Exception. En ce temps-ci, je viens t'annoncer en tant que prophète, tu ne seras pas atteint. Exempté. Tu es exempté. Exempté. Même si ceci allait, d'autres fléaux venaient jusqu'au retour de Christ Jésus. Parce qu'il a dit, il va diminuer le jour. Alléluia. Amen. Ok. Exode chapitre 8. Je lis au nom de Jésus la version d'Arabie. Merci, merci, merci. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Qui a dit à Moïse? L'Éternel. Oh, yama yakata. Yes. Je demande, Gogo, qui a dit à Moïse? L'Éternel. L'Éternel. Amen. Bandela. Verset 1er. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Voilà. Verset 2. Mais si tu refuses de les laisser aller, voici je vais frapper des grenouilles toutes tes limites. Verset 3. Et le fleuve fourmillera des grenouilles et elles monteront, entreront dans ta maison et dans la chambre où tu couches et sur ton lit et dans la maison de tes serviteurs et parmi ton peuple et dans tes fours et dans tes huches et les grenouilles monteront sur toi. Verset 4. Et sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main vers la verge, sur les rivières, sur le fleuve, sur les étangs, sur et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. 6. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent l'Égypte. Je pense que vous avez une information. Ma camionnette va grenouiller, mais où est sauterelle, tu es en Angopé. Et c'est Salama déjà 2-3 semaines passées. Pour la Tsayo, c'est un signe de fin de temps. So, je pense que vous avez un arabe. Dans le pays d'Arabe. Et couvrir des milliers. Balier biloko yon se vert. Les sauterelles ont couvert tous les pays, ont tout mangé. Alléluia. Amen. Kaka denge salami awa tozo tanga et salami 2 semaines passées. Comme 2-3 semaines. Mais nazo yisa yo.
ba epidemie ba fléau, ba fléau, ba peste oyo, calamiteuse. Et bandit les lotés. Tous ces frères n'ont pas commencé aujourd'hui. Et salami dans l'ancienne église. Ça s'est passé dans l'ancienne église d'Égypte. Mais Zambé a épargné Bantumoko. Mais Dieu a épargné certaines personnes. A exempté Bantumoko. Il les a exemptés. Et look, comme les Baninga, dans le même pays. Yes. Et comme les Bantumoko. Ce qui atteint certains n'ont pas atteint. Na Zambé les ponayo. Je, pour toi. Et la voisine na yo et comme la yo. Amen. Ce qui atteint ton voisin ne t'atteindra pas. Na komisin daku na yo invisible. Je fais ta maison invisible. Na komisin bana na yo intouchable. Je rends tes enfants na yo moko intouchable. Et toi-même intouchable. Daku na bino intouchable. Maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombeau na Jésus Christ. Le Dieu des exemptions. Nzambe ya bokesin. Est vivant. Azana bomo. Il est réel. Azaya solo. Il n'a pas changé. Bongolité. Hallelujah. Amen. Continue. Verset 7. Oui. Sautez, papa, sautez, verset 10. Verset 10. Et il dit, pour demain, et il dit, selon ta parole, afin que tu saches que nul n'est comme l'Éternel, notre Dieu. C'est maintenant que tu prouves qu'il est Dieu. Sauve-nous, sauve-nous. Le monde criera vers lui, demandant les secours. Uh-huh. Verset 11. Et les grenouilles se retireront d'avec toi, et de tes maisons, et d'avec tes serviteurs, et d'avec ton peuple, et on restera seulement dans le fleuve. Parce que Moïse, amen, Pharaon a sengi Olympus. Parce que Pharaon s'était humilié, avait demandé pardon. So, Moïse a lobi, et le quoi n'est la retiré nan. Alléluia, tu continues. Verset 12. Et Moïse et Aaron sortirent d'auprès du Pharaon. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir sur le Pharaon. 13. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse, et les grenouilles moururent dans les maisons, dans les cours et dans le champ. Oui, 14. 14. Et on les amassa par monceaux, et la terre devint puante. 15. Comment on dit? Ezraki est belé tellement qu'il est sali par montagne. C'était tellement nombreux, c'est devenu comme des montagnes. Pharaon a monique et katani. Moutema na elisusu et telemi. Lorsque Dieu a arrêté, son cœur s'est endurci encore. Verset 15, Tanga. 15. Et le Pharaon vit qu'il avait du relâche et il endurci son cœur et ne les écouta pas comme avait dit l'Éternel. Ok. 16. 16. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Aha. Et elle deviendra des moustiques dans tous les pays d'Égypte. Alléluia. 17. Et ils firent ainsi. Et le Pharaon et Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre. Et elle devint des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Mmh. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tous les pays d'Égypte. Dans tout Oyokiango bien, Balobi. Dans tous les pays d'Égypte. Dans tous les pays de Démocratique République de Congo, mais dans tous les pays de Belgique, Bruxelles. Mais malgré que Balobi dans tous les pays, malgré qu'on a dit dans tous les pays, il y a des gens. Et Zanabato. Oyo baza ban Nzambe. Qui sont enfants de les Dieu. Les élus de Dieu. Ma bonne amie Nzambe. Ba peste oyo calamitos. Tous ces pestes et calamitos. Côté li bangote nanda. N'entrent pas dans leur et maison. Et Simba ki bangote. Ne les touchent pas. Oh baza na kati ya pays wana Egypte. Pendant qu'ils étaient dans le pays d'Égypte. Et le koto benga ka exemption yango wana. C'est ce que nous appelons exemption. Nzana esengo ko yebisa yo. J'ai la joie de t'informer. Nanga oyo. En ce moment, Zamenanga ako exempté yo. Mon Dieu va t'exempter. Amen. Au nom de Jésus. Zamenanga ako pesa yo eloko to bengi exonération. Mon Dieu t'accordera l'exonération. Na kombo na Yesu Masie. Au nom de Jésus. OK, continue papa. Verset 18. Ouais. Et les devins firent de même par leur enchantement. Na nga kavasion mususu alobi. Ici, alobi les magiciens de Pharaon. So devin wana sidadi ba magicien. Les devins sont les magiciens. Bangobe balima mekaelo kwango. Et aussi voulez. Hein, continue. 18. Et les devins firent de même par leurs enchantements pour produire les moustiques, mais ils ne les purent. Et les moustiques furent sur les hommes et sur les bêtes. 19. Et les devins dirent au Pharaon. Les magiciens. C'est les doigts de Dieu. Na bangomoko ba monike eloko tozo monawa.
et reconnurent que c'était les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu qui avaient pointé. Si Dieu pointe sur toi, c'est fini. Alléluia. Amen. Ok, tu continues. Et le cœur du pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, comme veut dire l'Éternel. Verset 20. Et l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant le pharaon. Voici, il sortira vers l'eau et tu lui diras, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Voilà. 21. Car si tu ne les laisses pas aller mon peuple, voici, j'enverrai contre toi et contre tes serviteurs et contre ton peuple et dans tes maisons la mouche venimeuse. Et les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches venimeuses et aussi le sol sur lequel ils sont. Verset 22. Et je distinguerai en ces jours-là le pays de Goshen où se tient mon peuple, en sorte que là, il n'y ait point de mouches venimeuses, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu du pays. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu du pays. Alors, je vais faire quoi? Je vais faire la différence. Yes. Je ferai l'exception. Ces jours-là. Mon coloana. Kakanamboka Egypte wana. Seulement dans ces pays. Bisikabana Israël bazo vanda. Là où habitent les gens. Et l'eau comment quand tu es cocombe là-bas. Rien ne leur atteindra. Et Zambia Salian. Et Dieu l'a fait. Naye ko ebisa yo. Je viens te dire. Bisikayon sonda kunayo aza. Partout où ça mène en gazo et panoyo. Mon Dieu va te parler. Pour vivre exemption. Tu verras l'exception. Ma paix, mon côté, comme là. Aucun mal. Tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un Dieu d'exception. Yes. C'est le temps. Et Zatango. Toujours la méditation, on a besoin de focaliser dans sa promesse, dans sa parole, à ce qui nous concerne. Surtout à ce moment de crise mondiale. Pour susciter notre foi. Parce que les justes vivra par sa propre foi. Il a dit dans sa parole, qui te soit fait selon tu as cru. Si tu crois au coronavirus, il t'atteindra. Si tu ne le veux pas, si tu ne crois pas au corona, il ne viendra pas vers toi. Alléluia. Amen. Dans chaque génération, quand il y a des fléaux comme ça, il y a toujours des gens qui sont exempté. J'aimerais que tu crois en ce message d'exception. Alléluia. Amen. Voilà. Yes. Ok. Tu continues. Verset 24. Voilà. Verset 24. Et l'Éternel fit ainsi. Et les mouches entrèrent en multitude dans la maison du pharaon et dans la maison de ses serviteurs. Et dans tous les pays d'Égypte, les pays furent ruinés par la mouche venimeuse. 25. Et le pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, sacrifiez à votre Dieu dans le pays. Merci. 26. Zéla, sous-sauté. Alléluia. Amen. Sous-sauté, la best calamité. Et en voyant ces pestes calamiteuses, nous sommes salamés en Égypte. Tout ce qui s'est passé en Égypte, et Simbi, Bana Israël était ancienne église. N'a touché aucun membre de l'ancienne église d'enfants d'Israël en Égypte. Voilà, ok, dans le chapitre 9. Nous allons au chapitre 9. Partir à verset 1. À partir du premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Quelle révélation! Les dieux des Hébreux. Les Hébreux sont toujours dans le monde. Ils sont toujours dans le monde. Verset 2. Car si tu refuses de les laisser aller et que tu les retiennes encore, verset 3. Voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont
au champ, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros bétail, sur le menu bétail. Il y aura une peste très grande. 4. Et l'Éternel distinguera entre le troupeau des Israélites et le troupeau des Égyptiens. Et rien ne mourra de tout ce qui est au fils d'Israël. Rien. Amen. Rien ne mourra. Et l'autre côté, l'Éternel distinguera. Yes, on va s'arrêter. Je viens de dire la distinction entre yo na baniga mususu. Que Dieu fasse la différence. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Zomona. Tu vois? Tuzana zambe oyo asala ka distinction. Nous avons un Dieu qui fait la distinction. Asala ka distinction. Exemption ou exception? Exception. Hein? Exception. Exception. Yes. Exception. Exception. Notre Dieu fait l'exception. Exonération. Notre Dieu fait l'exonération à ceux qui lui appartiennent. Bande la place wana s'il te plaît na lingi ba yoka ba langwa na yango. Amen. Exode 9 verset 4, je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel distinguera entre le troupeau des Israélites et les troupeaux des Égyptiens. C'est quoi, Yosso? Continuez. C'est ça. Et rien ne mourra de tout ce qui est au fils d'Israël. Ce qui zambe ça les distinctions entre banyama ya bana naye na ba mususu. C'est quoi, yo osa plus précieuse que le kanyama. A cause ça la distinction na tango yo. Na kombo na Yesu Masia. Si Dieu a fait la distinction entre les troupeaux des Égyptiens et des Israélites, à plus forte raison, toi qui es précieux, à ses yeux, verra-t-il la distinction? Alléluia. Continuez, amen. Papa. Verset 5. Oui. Et l'Éternel assigna un temps, disant, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Alléluia. Verset 6. Oui. Et l'Éternel fit cela le lendemain, et tous les troupeaux des Égyptiens moururent. Mais les troupeaux des fils d'Israël, il n'en mourut pas une bête. Donc, on peut dire exception. Amen. Exonération. Exonération. Alléluia. Amen. Je dis ceci. Kobanga te. N'aie pas peur. Ngonga to komioyo. Le temps où nous sommes. Zambe akosala yo exception. Dieu fera l'exception avec toi. Et loko ekomoli balinga. Ce qui atteint les autres. Komé la yo. Ne t'atteindra point. Nalobi ko komé la yo. Ne t'atteindra point. Nalobi ko komé la yo. Je l'ai dit, ne t'atteindra point. C'est ton devoir. Et ça nous sala na yo. Prophétiser. Quand l'homme de Dieu prophétise. Ma parole oyo. Ces gens de paroles. Osa omi prophétiser. Tu te déclares ces choses. Moi et ma maison. Ngana nako nanga. Nous serons pas atteints de ces fléaux, de ces épidémies, parce que naza moi naza, parce que je suis un enfant naza intouchable, naza invisible. Alléluia. Amen. Zambe na yo aza zambe ya exception. Ton Dieu est un Dieu d'exception. Aza zambe ya différence. Aza zambe bokesi. Alléluia. Amen. Continue. Verset 7. Voilà. Et le pharaon envoya et voici, il y avait pas même une seule bête morte des troupeaux des Israélites. Alobi ata mokote ya nyama. Ya bana Israël akufaki. Ata mokote. Les enfants d'Israël étaient morts. Soki moko ekufi to koloba, mais ata moko te. Ata mokote. Écoute, nyama ata moko. Même pas une bête était morte. Yo na nyama nani aza précieux le précieux aza. Entre toi une bête qui est précieux de yo mon copain ça ressemble réponse nanda ku dengo zolanda. Donne nous la réponse depuis la. Soki zamba est panoué nyama ya bana naye. Si Dieu est panoué. Moko akufite. Yo pe okoza la épanoué. Toi aussi tu serais. Et loko comme li baninga ku comme la yote. Qui est dans les autres. Mes anga amen en zoto munene nanda ku nayo. Grand amen depuis ta maison. Amen. Alléluia. Yo. Yes. OK continue ndeko. Et le cœur du pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. Oui. Verset 8. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, prenez plein vos mains des cendres de fournaise. Voilà. Et que Moïse la répande vers le ciel, devant les yeux du pharaon. 9. Et elle deviendra une fine poussière sur tout le pays d'Égypte. Et elle deviendra sur les hommes et sur le bête un ulcère faisant éruption en pustule dans tout le pays d'Égypte. Verset 10.
Et ils prirent de la cendre de la fournaise et s'éteignirent devant le pharaon. Et Moïse la répandit vers le ciel et elle devint un ulcère faisant éruption en pustule sur les hommes et sur le bête. 11. Et les devins ne purent se tenir devant Moïse à cause de l'ulcère, car l'ulcère était sur les devins et sur tous les Égyptiens. Omoni, makambo yo ezo se répéter lissus. Bapota. Yango ese bandi. Ces choses se répètent encore. Ezo se répéter lissus. Ça se répète encore. Le pire ezo ya. Il y a somme koleka. Koleka corona. Arrive. Plus que même coronavirus. Alléluia. Amen. Ezo mona batu bazo fondre. Nous verrons les gens se fondre. Bar bazo koya, bazo tam la balamu ko akei. Tu verras quelqu'un marcher et tomber. Alléluia. Amen. Mais na kati ya yonswana. Mais dans tout cela, il y a des élus de Dieu. Ezana ba pomiyanza. Exemptés. Qui seront exemptés. Alléluia. Amen. Voilà, continuez. Verset 12. Yeah. Et l'Éternel endurcit les cœurs du pharaon et il ne les écouta pas. Comme l'Éternel avait dit à Moïse. 13. Et l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant le pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Continue. 14. Car cette fois, j'envoie toutes mes plaies dans ton cœur, voilà, et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches que nul n'est comme moi sur toute la terre. Alléluia. 15. Car maintenant j'étendrai ma main et je te frapperai de peste, toi et ton peuple, et tu seras exterminé de dessus la terre. Alléluia. 16. Mais je t'ai fait subsister pour ceci, afin de faire voir ma puissance et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. Alléluia. Verset 17. T'élèves-tu encore contre mon peuple pour ne pas les laisser aller? Voici, je ferai pleuvoir demain à ces heures une grêle très grosse, telle qu'il n'y en a pas eu en Égypte depuis le jour qu'elle a été fondée jusqu'à maintenant. 19. Et maintenant, envoie, fais mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce que tu as dans ton champ, car la grêle tombera sur tous les hommes et toutes bêtes qui se trouveront dans le champ et qu'on n'aura pas recueilli dans les maisons et y mourront. Verset 20. Celui d'entre les serviteurs du pharaon qui craignit la parole de l'Éternel fit se réfugier dans les maisons ses serviteurs et ses troupeaux. 21. Et celui qui n'appliqua pas son cœur à la parole de l'Éternel laissa ses serviteurs et ses troupeaux dans les champs. 22. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et il y aura de la grêle dans tous les pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, sur toute herbe de champ dans le pays d'Égypte. Et Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu s'est promené sur la terre. Et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. 24. Et il y eut de la grêle et du feu entremêlé au milieu de la grêle, ouais, qui était très grosse, telle qu'il n'y en a pas eu dans tous les pays d'Égypte depuis qu'il est devenu une nation. 25. Et la grêle frappa dans tous les pays d'Égypte, voilà, tous ceux qui étaient au champ, depuis l'homme jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi l'herbe de champ et brisa tous les arbres de champ. Les arbres aussi. 26. Seulement dans les pays de Goshen. Et loko nanina yoka yango. Le problème nanga eza épanouissement exception. Mon problème c'est l'exception. Verset 26, est-ce que vous pouvez répéter en gros les sous-sous? Amen. Verset 26. Seulement dans le pays de Goshen, où étaient les fils d'Israël, il n'y eut point de grêle. Et petit batu, na banzete, na ba matiti, na ba nyama, ba koufi. Mais seulement, moi et ma maison, nous ne serons pas atteints. Bien-aimés, aux Andakou et à Zambé.
tu es la Oza élu de Dieu. Dans ces choses, tu ne seras pas atteint. Peut-être Oza wa nozo la nangai. Peut-être que tu n'es pas encore enfant de Dieu. C'est maintenant le temps de devenir enfant de Dieu. Nasuka na kosa la appel de salut. À la fin, na kosa la bien-aimé, yamba Yesu matia. Reçois Jésus-Christ bien-aimé. Jésus revient bientôt. Yesu Christ a zan zela zozunga. Abi mututi ayepingonga. Personne ne sait le temps a-t-il dit. Mais alobi basin oyo ezai bandeli. Mais il a dit ce signe n'est que le commencement. Il y a fin du temps. Il y a temps Yesuka. Alléluia. So, bien aimé, je suis certain que tu as révélation. Je suis certain que tu as aussi oyebi que il y a des gens baras oyo baza exempté na makambo musu. Tu sais maintenant que ezana bato ba chama pembe ni makambo. Alobi solmo na mboka ya koshen. Kaka na mboka ya koshen. Bisika bana Israël baza. Là où habitaient les enfants d'Israël. Il n'y a pas de règne. Ata fleu mon côté. Fleu mon côté comme liba. Amen. Bien aimé. Molingami. Et komami na c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce que tu as bien. Si tu lis bien. Dans le psaume 91. Dans le psaume 91. Verset 10. Le verset 10. À l'obé. Il a dit. Aucun mal. Aucun mal n'approchera. Yes. À ta tente. J'ai la bonne nouvelle. Nazana sango malamu. Moi nzambe kobangati. Enfant de Dieu, n'aie pas peur. Les dieux de différence est encore là. Zamba boke senya zana nuana. Toko continue. Nous allons continuer. Na culte ya mercredi. Dans le culte de mercredi. Sala branché. Sois branché. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Papa na symbole maboko na ngai. Père, je lève mes mains. Na tongo alelo dimanche. Ce matin. Na pamboli bana na yo. Je bénis ton peuple. O bazola na ngai. Puis et na sele bino banso. Et je vous tous, où que vous soyez, na makila na Yesu Masiya, par le sang de Jésus. Makila na Yesu, le sang de Jésus. Ezala elembo, soit ya protection, de protection, ya intouchabilité, intouchabilité. Likolo na bino, sur vous, na bana na bino, sur vos enfants, na ndaku na bino, sur vos maisons, na banyama na bino, même sur vos maisons. Parce que ezala mi bongo, car ça c'est na ancienne église, na église et il n'a pas changé. A bon moment. Comme si nous intouchables. J'ai fait de vous des intouchables. Comme si nous invisibles. J'ai fait de vous des invisibles. Et n'a déclaré. Et je déclare. Aucun de ces épidémies sataniques. Mais bébé, mon côté, ma bébé, satan. Et vous atteindra avec vous. Vous êtes scellés par le sang de Jésus. Si peu mille, ma qu'il a et n'a pas mouli dimanche. Et je bénis. Et la dimanche, il y a Sengo, il y a Kimia. Que ce soit un dimanche de joie au nom de Jésus. Attends, Zawana. Même si tu es là. Vous atteint. Aussi, mamie, n'a déclaré la maladie au Kangolami au Pikisami. Je proclame au Pikisami. N'a combo na Yesu. Tu es guéri au moment. Peut-être au premier, mon collègue, banan zambé nanote. Peut-être tu n'es pas encore un. Mais elle l'a connu et simio. Mais tu attends par le biboy. Je déclare les lots de Yoso Simba le Boko. Ce matin, comme tu touches tes mains, n'a déclaré au Pikisami au Kangolami. Je déclare tu es guéri et délivré. Cette maladie, cette fléau. Ils a maudit embody na komone dans ton corps na makila na dans ton sang na kombo na Yesu au nom de Jésus na déclaré yo je te déclare guéri au nom de Jésus Christ na kombo na Yesu Christ dengue aussi mi maboko tel que tu as touché ou imposé ango na nzoto tu t'es imposé sur et vous y a zambe ko traversé yo la puissance de Dieu te traverse merci mon Dieu mon roi pour leur guérison au nom de Jésus na kombo na Yesu Christ amen amen bien aimé amen molinga mi sokio yambi si tu n'as pas encore reçu Jésus, retourne à eux, na c'est répète après moi, Seigneur Jésus. Kolo Yesu. J'ai entendu ta parole. J'étais touché par ta parole. Aujourd'hui, je sais que tu es Dieu. Tu peux faire l'exception. Tu peux la différence. Je viens auprès de toi. Aujourd'hui. Je me laisse en toi. Sauf moi. Sauf moi. Limisanga pona masumu na ngayos. Pardon toutes mes péchés. Pona lolenge na tamboli mabe tango na yebiote. Pendant que je me promenais mal dans ce monde. Na sengi o limisanga. Pardonne-moi. Petolanga na makila na yo. Sanctifie-moi par ton sang. Oyo sopaki na ekulusu. Que tu as versé à la croix. Na lobi e petolanga na yos mabe. Que ton sang me purifie de tous mes péchés. Et lelo na déclaré. Et aujourd'hui je déclare. Komuta na mutema na ngai. Venant de mon cœur. Ke na komi mwana nzambe. Je suis devenu enfant de na Dieu. Komi mwana nzambe. Je suis enfant. Apati a lelo. Dès aujourd'hui. Makambo ya kala etikali na kala. Les choses passées sont passées. Makambo ya sika ebandi na bina. Et voici toutes choses sont nouvelles. Apati a lelo. Dès maintenant. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen.
Bien-aimé, j'aimerais utiliser cette opportunité. Et l'autre dimanche, pour nous préparer, c'est dimanche pour vous préparer. Pour le mercredi à 6h. Pour le mercredi à 6h. Nous avons notre service de matin prophétique. Pour ce mois d'avril. Tu ne peux pas. Zala branché. Sois branché. Et Zamenanga a visité. Et mon Dieu vous visitera. Et aussi, on a battu yon subazo la nangana tango yo. Pour tous ceux qui sont là. Na 10h, tu as une école de guérison. À 10h, on a une école de guérison. Cute na biso ya guérison. Notre cute de guérison. Et il y aura service à lui d'onction. Mais service à lui d'onction. Zala prêt nandako na yo. Sois prêt dans ta maison. Na bouteille na yo ya mafuta. Avec ta bouteille. Amen. Parce que nazo pambola yango. Je la bénirai, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Ciao. Voilà pourquoi comment on a eu Patrick Memba, Nasali Voice depuis Georgia aux États-Unis. Juste le lobby après prière, il y a Dadina écran. Et j'étais guéri, on a commis ça, mais suite à mot de deux, on a dit. Et grâce à la prière, à papa d'ailleurs, le bina culte, je suis guéri, c'est pourquoi on a eu témoigné, on est dans Zambé. Allô, bonsoir, papa, pasteur Dayo Samuel. C'est la sœur Marina de l'église FIM. Celle que vous avez appelée le 21 du mois de mars, celle qui était très malade. Je voudrais seulement témoigner la grandeur de Dieu, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Nous sommes pendant l'année de miracles extraordinaires. On a à vivre un miracle extraordinaire dans la vie. Nanga. C'était le 21, la nuit. Donc, qui fièvre ma casse et banda kingai. Fièvre, on a et les cas qui coûtent température, il y a 40 degrés Celsius. Parce que dans combien qu'on a eu sous qui n'a pas moto et sous la moto, na zaki na ba faiblesse y a ma casse et puis ba dyspnée très forte dyspnée, ma difficulté de respiratoire et ça qui n'a ma casse dans l'eau qu'on a sous copé maté. Et avec ça, na combien qu'on a touché, na bédi ma casse moi et peine à télé mes a quitté. Bon, na yebaki na nga pété que na koyi ko sana problème ya infection ya ba malade na bango bazolo ba oyo soki ba corona soki ba nini nga na mona ka ke na za attaqué soit na mando ki soit na malaria na yo ki bien te ba vers 19h na ebisi bande ko na nga na bibota na nga boité sino te na koyi ko kufa parce que na zo ko su ko pe maté nde ba yeko benga papa Dayo Samuel dadi asambeli po na nga. Aibisinga tango dadi azosambela mpo na nga alobi na bimisi molimo ya coronavirus na nzoto na yo. Ntango nayoki kaka bongo nayoki eloko moko ebiminga na nzoto na mbangu na bi eloko wango nayokaka pawa balobaka na eglise yango na santir yango. Depuis eloko wana ebimaki fievre banini nyonso ezalaki na lalaika bongo. Tanto komi minuit naye komona fievre wana et qu'on disparaître. Tout comme à 2h du matin, ma signe, on a nia sur zone, il sous ma casse, on m'a dit qu'on toussait et qu'on est grave. Mais, n'a pas n'aille qu'on le baka, papa d'ailleurs déjà 5000 pour n'a n'a biki. N'a pas que ce papa d'ailleurs 5000 pour n'a n'a qu'on bika. N'a n'a ben n'a batou, n'a t'es pas sur la bengi, on a qu'il n'est qu'on a, n'a pas si ça t'a n'a n'zé. L'a n'aille, papa l'obaki, oh, et qu'on m'a baninga, et qu'on m'a yoté. Yosa invisible, osa intouchable. N'a pas n'aille qu'on répétait à mon kaka, que papa l'obaki, et si Jésus-Christ en nous est l'espérance et la gloire et non de la maladie. Kaka ne papa d'ailleurs sambelinga na kokufate na ko témoigner na film na ko bika. Papa lobaki na melaka ma ya moto ebele na komi ko melaka mama ya moto na zo sambela pe kaka. Nde na yokoyoka guérison na 4e jour. Yango na komi si munene ya Nzamba Dayo Samuel na mona kiliwa na misu na nga. Me Nzamba Dayo abiki singa maintenant na za en très bonne santé. C'est pourquoi na pe Nzamba merci. C'est la sœur Marina. Tikana prophétise na vina. Bista balinga bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Le chou de chaque action. Bon pour vous. Passe quoi? Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences.
commencé à dominer sur cette terre. C'est moi qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batuba isapa makambo ya tenye wane.